Ne manquez pas le coche. Ne ratez pas coche. Eh oui, Juliette, vous n'êtes pas la seule comédienne à être avec nous ce soir, parce que notre comédien résident, lui, humoriste et beatboxer, Koch, est avec nous. Il nous fait le plaisir de nous rejoindre une nouvelle fois. Alors lui, Koch, je précise à tout le monde, y compris à ceux qui ne nous voient pas, mais tout le monde est témoin ici à l'œil en stock, il fait tout seul. Hein. Je vous préviens, il n'y a absolument aucun trucage. Mais tu as une nouvelle fois une chronique à tenir, Koch, et tu as des choses à nous dire. Juliette Jougnot, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne et je vous cache pas que je me pose une question. Oui. Quand on est humoriste, on nous dit vas-y fais-nous un sketch. Quand on est chanteur, on nous dit vas-y fais-nous une chanson. Quand on est beatboxer, on nous dit vas-y fais-nous du beatbox. Quand on est urologue, on nous dit vas-y fais-nous plaisir, reste loin de nous frérot s'il te plaît. Et quand on est comédienne, Juliette, on nous dit quoi? On nous dit vas-y fais-nous la tristesse, vas-y fais-nous la joie, fais-nous la peur, fais-nous l'amour. Calmez-vous DPL, remettez votre t-shirt. Quoi qu'il en soit, le point commun qui réunit les humoristes, les chanteurs, les beatboxers, les urologues et les comédiennes, c'est la passion. Et on est des gens passionnés. Et Juliette Jougnot, ça se voit qu'elle est passionnée. Elle vit théâtre, elle vit comédie, elle vit cinéma. Sa vie, c'est un film. C'est que des scènes de film et avec la musique. Parce que dans le cinéma, oui, les images et la musique, ça va ensemble. C'est indissociable. C'est comme DPL et l'alcool, bon ça va ensemble, c'est indissociable. Bon, à l'inverse, c'est vrai, les jouets de Noël et les piles, ça va pas ensemble, c'est dissociable. Les mecs qui nous vendent les jouets sans les piles, et moi je trouve que c'est dégueulasse, mais ça c'est parce que les gens profitent. Et Juliette, elle est pas comme ça. Et vous vous rendez compte un petit peu de la vie qu'elle mène, Juliette? Toute sa vie c'est un film, avec des musiques 24 heures sur 24. Alors moi je me suis imaginé ce que ça pourrait être la journée de Juliette. Je vous le fais. 6h du matin, le réveil sonne, il est très tôt. Enfin 6h, il est 18h, mais il est quand même très tôt pour un début de soirée. Juliette est en retard à son rendez-vous, elle va devoir se préparer en moins de 3 minutes chrono. Elle se fait un café. Il est bon ton café, Juliette. Ensuite, Juliette, elle prend sa douche. Alors oui, pour la douche, j'ai pas fait de musique de film parce que pour la musique, il y avait soit Psychose. Et franchement, c'est pas sympa pour Juliette, ça. Sinon, il y avait Les Dents de la Mer. Et franchement, je vous le dis, perso, je vois pas ce qu'un requin viendrait foutre dans la région qu'à la base. À part si, oui, si le requin il part en vacances loin et à un moment le requin il doit traverser la Saône et il arrive à Villefranche, le requin il se dit tiens. Bah, ouais, tous les requins ils ont une voix pourrie un petit peu. Hein. Le requin il se dit tiens, mais je suis pas loin de chez ma Juliette là. Ce serait pas l'occasion d'aller lui faire un petit béco à ma Juliette? Donc non, pour la scène de la douche, j'ai fait la goutte d'eau parce que la goutte d'eau c'est le symbole de la pureté et la pureté ça me fait penser à notre invité. Et puis l'eau c'est précieux. L'eau c'est précieux, ça devient rare et ça me fait penser à notre invité aussi. Et bon, je vous cache pas qu'aujourd'hui l'eau elle est dégueulasse parce que tout le monde déverse ses ordures et ses merdes dedans, mais ça n'a rien à voir avec notre invité. On est bien d'accord. Hein. Il est où là? J'ai cru qu'elle disait que c'était un déchet. On l'a perdu. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Je termine quand même mon histoire. Juliette est en retard, elle saute dans sa voiture. Wow, ça c'est Black Eyed Peas. Et comme elle va très très vite, elle se fait arrêter par la police. C'est la municipale. Get on the floor, Juliette, get on the floor, get on the floor. Ça présente pas en Canada. Ah oui d'accord, Eddie Murphy. Mais Juliette, elle arrive à les semer les flics. Parce que les flics c'est des Américains, c'est des mecs qui viennent de Beverly Hills, ils connaissent pas Villefranche-sur-Saône les mecs. Et Juliette, elle connaît Villefranche comme sa poche. Et elle arrive à son rendez-vous à Radio Calade pour faire l'émission Recto Verso. Et elle est avec nous ce soir parce qu'elle est trop forte, Juliette. Et réalisé 100% sans trucage, on est tous témoins. Alors malheureusement, l'ingénieur du son est viré, hein, parce qu'on n'a plus besoin de lui du coup. Hein, donc.